Leia Flatlayukult de 2010 était de niveau 4, une éruption dite catastrophique. Je me suis approché au plus près de Leia Flatlayukult. Sa puissance est à couper le souffle. À la 8e place se trouve un volcan dont l'impact a eu des répercussions sur tout le continent européen. Voici Leia Flatlayukult en Islande, dont l'éruption en 2010 est entrée dans l'histoire. L'Islande est la terre de prédilection des volcanologues. Tout comme Hawaï, ici, l'île entière est volcanique. Mais contrairement à sa cousine du Pacifique Sud, l'Islande se trouve non seulement sur un point chaud, mais aussi sur la dorsale médio-atlantique. Une faille formée entre les plaques tectoniques d'Amérique du Nord et d'Eurasie. À cet endroit, les plaques s'éloignent les unes des autres, créant ainsi des chaînes entières de volcans. Dans cette zone minuscule, on dénombre pas moins de 32 systèmes volcaniques contenant 200 volcans. Au moins 18 d'entre eux ont été actifs au cours des 1000 dernières années. Ce petit pays d'à peine 275 000 habitants recense un tiers des coulées de lave enregistrées sur la planète. On y trouve également une caldeira de 16 km de diamètre baptisée Torfajökull. Ce genre de caldeira se forme lorsqu'un volcan s'effondre au-dessus d'une chambre magmatique. On y trouve aussi des tuyas, des volcans au sommet plat et au flanc escarpé, qui se créent lorsqu'un volcan entre en éruption à travers une couche de glace. Sur cette terre de feu, le pays compte aussi un grand nombre de fissures volcaniques, desquelles s'échappe de la lave. Au XXe siècle, pas moins de 39 éruptions de toutes sortes ont été comptabilisées dans le pays. Des éruptions explosives, des coulées de lave ou des déversements de cendres. Leia Flatlayukult est recouvert d'une calotte de glace et il est entouré de glaciers. En février 2010, les sismologues ont commencé à enregistrer des milliers de tremblements de terre au pied de la montagne. La preuve que la chambre magmatique était en train de se remplir. Alors que les mini-séismes s'intensifiaient, des fissures sont apparues dans la roche. Le 20 mars, l'éruption s'est déclenchée. Des fontaines de lave crachant de la roche en fusion se sont élevées dans les airs à plus de 180 mètres de hauteur. Après une courte accalmie, le cratère situé au centre de la calotte de glace est à son tour entré en éruption. La température a fait fondre la glace qui a coulé dans la chambre magmatique, déclenchant une explosion gigantesque qui a propulsé plus de 200 millions de mètres cubes de cendres à 8 km d'altitude et que le jet stream a répandu sur toute l'Europe. C'est ce qui se passera ensuite qui va faire entrer cet événement dans l'histoire. Pour le cinquième jour de suite, le volcan islandais sème le chaos. Plus de 300 aéroports à travers l'Europe ont été fermés pour le week-end. Leia Flatlayukult contient une forte concentration en silice, un composé semblable à du verre dont d'immenses quantités se sont retrouvées pulvérisées dans l'atmosphère sous forme de fines poussières. Particulièrement dangereuse pour les moteurs d'avion. Les compagnies aériennes perdent 200 millions de dollars par jour. Le jet stream, un courant d'air qui circule à haute altitude, a transporté ces particules fines et légères au-dessus de l'Europe centrale, immobilisant plus de 100 000 vols pendant 8 jours. L'aviation civile a pris la décision sans précédent de fermer tout l'espace aérien britannique. Le trafic aérien européen a été entièrement paralysé. Une première depuis la Seconde Guerre mondiale. 10 millions de voyageurs bloqués loin de chez eux pendant plusieurs semaines. Le coût de la catastrophe sera estimé entre 2 et 5 milliards de dollars. Leur vol a été annulé lorsque les cendres volcaniques ont entraîné la fermeture de l'espace aérien. Plus de 10 ans après la catastrophe, les volcans islandais restent sous étroite surveillance, car nul ne sait quand aura lieu la prochaine éruption. Le mont Pinatubo vient de se calmer après une semaine d'éruption dévastatrice.
Pour découvrir le volcan qui prend la 7e place de notre classement, direction les Philippines et le mont Pinatubo, qui est entré en éruption en 1991. Le paradoxe des volcans est que les éléments naturels relâchés lors d'une éruption rendent les terres volcaniques parmi les plus fertiles du monde. Pour en profiter, des millions de personnes viennent donc s'installer dans ces territoires et se retrouvent exposées aux dangers permanents d'une éruption. Sur l'île de Luçon, aux Philippines, se trouve une série de volcans vieux d'un million d'années, baptisés les monts Zambales. Depuis des siècles, ces volcans s'étaient endormis. Ils étaient recouverts d'une forêt luxuriante et les habitants les pensaient presque inoffensifs. Les montagnes sont nées suite au glissement de la plaque eurasienne sous celle des Philippines. Bien qu'il s'agisse d'une ligne de faille active, il y a ici très peu d'activité sismique. Le mont Pinatubo est resté silencieux pendant 500 ans. Sa dernière éruption datait de 1565, bien avant que les Espagnols ne colonisent les Philippines. Mais tout a changé au cours de l'année 1991. Des milliers de petits séismes par un typhon et ont recouvert des centaines de kilomètres carrés de campagne d'une couche épaisse, décimant l'intégralité de la végétation. Les cendres légères qui se sont redéposées sur les toits ont fini par épaissir sous l'effet de la pluie, causant l'effondrement de milliers de bâtiments sur eux-mêmes et faisant ainsi des milliers de victimes. Les nuages de particules qui ont atteint les hautes couches de l'atmosphère ont fait plusieurs fois le tour du globe. Les 20 millions de tonnes de dioxyde de soufre qu'ils contenaient ont fait chuter la température moyenne mondiale d'un demi-degré pendant près de 2 ans. Un événement aux conséquences cataclysmiques. Sur l'île, le cauchemar a continué. Des coulées pyroclastiques ont dévalé les flancs du volcan. Combinées à de l'eau, elles ont créé des glissements de terrain gigantesques appelés lahar. Une boue liquide qui, en séchant, devient aussi solide que du béton et qui a recouvert des vallées sur 200 mètres d'épaisseur, ensevelit des villages et des villes entières. L'éruption a causé la mort de plus de 800 personnes. Mais grâce au travail des géologues et à l'alerte donnée avant l'explosion, plus de 2 millions d'habitants ont pu être évacués et échapper à la catastrophe. La preuve que pour les populations qui vivent à proximité d'un volcan, la vigilance doit être permanente.